Alors, coucou les filles. Je vous reprends là maintenant parce que j'ai reçu une commande et je voulais vous partager ça. Une commande Temu. Enfin, c'est pas grand-chose, hein, mais c'était juste pour vous le partager. J'ai reçu deux, trois trucs. Un dont ça n'a rien à voir avec le coloriage et deux autres. Qui peuvent avoir, qui peuvent se servir pour le coloriage. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Là, j'ai toujours pas fini parce que je vous explique pourquoi. J'ai eu mes enfants qui sont venus et ils sont partis hier. Donc j'ai pas eu le temps de colorier. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai encore ça à finir pour rêver sa vie en couleur, la chaîne. Il faut absolument que je le finisse. Et j'ai celui-là à Scrap Simone à finir. Enfin, à commencer. Je n'ai même pas à finir, à commencer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais bon, je vais essayer. Je vais faire ce que je peux. Donc voilà, là, il ne me reste pas grand-chose. Donc je voudrais absolument le finir. Et puis commencer celui-là à Scrap Simone. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous disais, j'ai reçu une commande Temu là, sur le site Temu. Alors, je vais vous faire voir. En fait, c'est des pinceaux. Vous allez dire, elle est accro aux pinceaux en ce moment. Alors, on ne voit pas très bien sur la deuxième caméra, c'est-à-dire moi là, parce que j'ai dû fermer mes rideaux. Parce qu'il fait franchement trop chaud et le soleil tape. Et franchement, il n'y a rien à y voir. Donc voilà cette fameuse commande. C'est une toute petite commande de rien du tout. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces pinceaux? Alors normalement, c'est des pinceaux qui servent pour les ongles. Là, pour les ongles. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour les ongles. Je vais m'en servir pour le coloriage. Parce que hier, si j'avais eu ceux-là, alors ceux-là, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Hein. Je ne connaissais pas et ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est du fer. Hein. Enfin, du fer ou plastique dur en tout cas, mais c'est vraiment. Ils sont vraiment bien. Donc, je vous dis, hein, ça n'a rien à voir avec le coloriage. Mais moi, je vais m'en servir soit pour le coloriage ou mes peintures, comme là, par exemple. Hier, ça aurait pu me servir. Je vais vous montrer pourquoi ça aurait pu me servir hier. J'ai trouvé un ciseau. Voilà. Et en fait, ceux-là. C'est des formes de fleurs. Et en fait, pour tout vous dire, je vais être franche avec vous, je me commandais des ongles. Vous voyez, je me suis commandé des ongles. Et quand vous faites des recherches, là, je suis tombée là-dessus. Alors attendez, je vais vous faire voir à mon téléphone si je peux. Voilà, là. Regardez là. Je me faisais une commande d'ongles. Et je suis tombée par hasard là-dessus. Voyez? Et ça valait 2,98 €. Je suis tombée par hasard là-dessus. Et en fait, ils expliquent, c'est 8 pinceaux, ensemble de pinceaux pour nail art, outils de conception pour nail art. Et en fait, ça fait comment dire, des fleurs. Voyez? Et j'ai commandé ceux-là, qui sont ceux-là, là. Alors, moi, je croyais qu'ils étaient cette couleur-là, mais finalement, ça ne fait pas vraiment la couleur comme ça. Et c'est des très, très fins. Regardez-moi ça comme c'est fin. Ben, c'est pareil, c'est pour le nail art. Mais moi, ça va me servir. Je vais vous faire voir. Ça va me servir. Même vous, ça peut vous servir dans le coloriage, vous allez voir.
Donc, j'avais envie qu'on déballe ça ensemble. Alors, attendez. Je vais essayer de voir. Et ça fait des formes de fleurs. Noël, tu l'aurais. Ah, mince. L'ongle, il va se défaire, évidemment. Voilà, c'est du tout petit comme ça. Voilà. Et il y a plusieurs formes. Regardez. Oh, mince. Voyez? Il y a plusieurs formes. Et ça fait des formes de fleurs. Regardez. Oh mince. Là. Comme ça. Oh mince. Là. Enfin voilà, ça fait vraiment des formes de fleurs. Ça fait des formes et très très fin. Oh, attendez. Ah ben, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Très très fin. Et alors ceux-là, regardez. Ah ben, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Voyez? C'est vraiment très très fin. C'est pour le nail art, donc pour les ongles. Mais du coup, moi, j'ai vraiment envie de m'en servir pour le coloriage, parce que regardez, par exemple, le coloriage ou comment dire la peinture. Vous voyez, hier, par exemple, je vais vous faire voir. Je l'ai posté sur Instagram. J'ai fait une petite aquarelle. Voilà, celle-là. Eh bien, là, si je prends mon pinceau, là, par exemple celui-là, eh bien, je peux m'amuser à faire les petits traits, là. Vous voyez? Je redescends au maximum. Voilà. Vous voyez, tous les petits traits, comme là, la feuille, hop, voilà, et hop, vous voyez, j'aurais pas eu besoin d'un stylo. Il suffit juste de prendre votre peinture et c'est tout fin. Et au lieu que ça serve bah, pour les ongles, et bah, ça peut servir pour nous. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager, parce que je me suis dit, mais c'est bien ce truc! C'est tout en regardant pour commander mes ongles là que je me suis aperçue de ça. J'ai dit, mais c'est pas con ça, Noël. Hop. Pardon. Vous voyez? Voilà. Moi, je trouvais ça bien. Donc voilà, vous voyez, j'aurais pu m'en servir pour ma colorisation d'hier. Voyez? Tout ce qui est très fin, tout ça, eh ben, ça aurait pu très bien aller avec. Et voilà pourquoi je les ai pris. Et alors, là, ceux-là, parce que tu vas me dire, mais Noël, pourquoi t'as pris ceux-là? Les rouges là. Eh ben si. Alors, je vais enlever le bout là. Je vais enlever le bout. Je vais vous faire voir. On va essayer ensemble. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple.
que vous allez me dire, mais t'es bien, Noël, t'es bien bonne de nous présenter ça, mais on en fait quoi? Ben, je vais vous faire voir. Tiens, par exemple, sur mon dessin là, de Clara Markova, là, je vais venir faire de l'herbe. Et après, je vous donne un exemple. Vous avez un... Bon, bah, pas là parce que c'est vraiment trop petit. Il faudrait que je vous montre sur un autre. Attendez. Pourrais vous montrer ça? Je prends au hasard. Je crois que ceux-là, ils sont chargés. Non, pas celui-là. Là là, dans quoi? Ça là, par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Attendez. Par exemple, dans celui-là. Attendez, je vous remonte 5 minutes là. Alors, dans quoi on pourrait... C'est pour vous donner un exemple. Il faut que je trouve un bon exemple. Bon exemple. Oui, j'avais racheté ce bouquin. Je ne vous l'ai pas fait voir. C'est pas la qualité du papier n'est pas la même, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Okay. J'essaie de trouver un exemple, mais... Ah ben, nom de Dieu. Moi, j'ai pas choisi le bon livre. Ou même, ouais, peut-être celle-ci, mettons un exemple. Vous voulez rajouter des fleurs. Ça va pas y aller aujourd'hui, comme je veux. Vous voulez rajouter des fleurs. Là. Non, pas dans ce sens-là. Noël, ça va pas aujourd'hui. Voilà. Vous voulez, mettons, rajouter des fleurs, là. Un exemple, hein. Eh bien, vous allez venir prendre votre pinceau là, et vu que c'est très très fin, eh bien, on va pouvoir faire les formes de fleurs. Vous voyez? Mais ce n'est pas un exemple adéquat là, ça ne me plaît pas pour que vous compreniez, parce que j'ai envie que vous compreniez. Ce que je veux dire, ben on va prendre, mais c'est, ça m'embête, j'aurais vraiment voulu vous faire voir sur un colo. Qu'est-ce que je pourrais prendre quand même bien? Là, on va prendre un Clara, mettons. Ça sera peut-être plus approprié. Tiens, bah, voilà un exemple. Non, là, un beau. Là, j'avais fait ce colo-là. Eh bien, je peux venir avec mes pinceaux là. Tous ces pinceaux, venir faire des fleurs. Voyez, là, moi, j'en avais fait moi-même, je crois bien là. Non, c'était d'avance. Mais vous imaginez que vous voulez faire vos fleurs là, eh bien, avec l'herbe, vous voyez, vous venez faire des fleurs et avec ces pinceaux. Alors, on va les essayer ensemble, voir quelle forme ils font, en fait.
Parce que moi, je connais pas du tout, hein. J'ai vu ça pour les ongles. Mais j'ai dit, c'est pas con ce truc-là. Alors, attendez. Parce que Noël, elle a rien préparé, bien évidemment. Je vais chercher de l'eau. Et donc, pour en revenir, Temu, voilà. Donc, ça valait 7,48 €. Attendez, est-ce que je vous le fais voir là? 7,48 € ça valait. Est-ce qu'il est dans le bon sens, mon truc là? Ben oui. J'ai l'impression que ça fait tout brouiller. Bref. Donc, ça valait 7,48 € cela, là. Et les autres, je vous ai dit. Alors, attendez. 2,98 €. Voyez? Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai sorti une palette là pour qu'on voie quelle forme ça donne. Parce que moi, je suis curieuse là du coup. Je suis vraiment curieuse de savoir quelle forme ça donne. Alors, on va essayer. Attendez, je vais vous baisser. Enfin, je vais baisser la caméra, mais je ne vais pas vous baisser, vous. Ah ouais. Vous voyez, ça fait une forme de pétale. Regardez. Oh, c'est génial. Oh, mais c'est trop top. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est ce que je vous dis avec, comment dire, dans nos livres de coloriage, eh ben, ça peut servir. Ah ouais. D'accord. Donc là, ça fait cette forme-là. Mais c'est génial. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Alors attendez, là je vais le... Hop. Alors là c'est comment? On va voir quelle forme ça donne. C'est trop géant ça, les filles. Là vous voyez, ça fait comme ça. On a l'impression que c'est... ça fait comme un chat, vous savez, qui a ses deux oreilles. Ah, c'est pas mal aussi. En fait, c'est trop top, les filles. On va essayer celui-là. Regardez, c'est pas trop génial ça. Et on peut faire des formes de fleurs. Ah non, mais c'est trop top. Ah ben, je regrette pas d'avoir acheté ça, les filles. Voilà, celui-là. Puis bon, bah, y en a plein d'autres en fait. Alors celui-là, il a quelle forme? Voyez, ils ont plusieurs formes. Ils ont plusieurs formes.
Ouais, je pense que je vais m'amuser moi avec ça. Et je vous dis, c'est en achetant mes ongles là que j'ai vu ça. Et ça m'a donné une idée. Bah, ça rappellera plus tard, hein. Donc voilà les filles. Moi je trouve ça géant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors là, regardez, c'en est encore un autre. Vous avez vu les formes qu'ils ont? Ça, c'est trop géant. Ça me plaît, moi. Voyez, hop, vous faites des formes comme ça. C'est trop géant, ça. Ouh, ça va me plaire, ça. Je regrette pas d'avoir acheté ça, les filles, moi. Je vous le dis. Non, non, Noël ne regrette pas d'avoir acheté ça. Hop, là ça fait un pétale, ça fait vraiment un pétale là. C'est trop géant. J'adore. Je suis devant mon machin là, je suis en admiration. Ah ouais, ça me plaît bien. Voilà, alors il y en a combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8. En fait, il y a 8 formes. Voyez? Oh, c'est top. Ça me plaît. J'adhère. Je pense que vous en pensez, mais je trouve que pour les trucs précis, eh bien, ça va le faire. Hein, comme je vous dis là, vous prenez un Clara, un exemple, hein, parce que on a d'autres livres de coloriage. Mais franchement, les filles, il y a de quoi faire un truc sympa. Voyez par exemple là. Vous venez avec votre pinceau et hop, vous venez faire une petite forme comme ça. Après, vous faites la tige et hop, l'affaire est jouée. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de dessiner du coup. C'est tout de suite sur votre pinceau. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Alors, je vais bien les essuyer. Voilà. Et je vous dis, ceux-là, cette pointe fine, eh bien, vous venez faire vos feuilles avec, tiens, vous voyez comme là, par exemple. Eh bien, je suis sûre qu'avec ça, vous venez, je vais essayer, tiens. On va prendre un noir. Merde. Je vais prendre un noir. Le noir, il est où là-dedans? Il est là, je crois, ouais. Là. J'ai pris mon noir. J'espère que vous allez voir. Eh bien,
vous partez et ça vous fait votre truc. C'est tellement fin. Alors bien sûr, il faut que le... Voilà. Voilà, ça va pas parce que c'est pas... Attendez. Il faut de l'eau. On réessaye. Là, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah ouais. Je sais pas si vous voyez les filles. Mais ça le fait, hein. Pour les détails très très fins, je vous promets que ça le fait. Je vais vous le rapprocher. Mais ça le fait. Ah ouais. Eh bien, je regrette pas mon achat. Regardez, je vais vous faire voir. Hein, parce que là, bien sûr, on ne le voit pas spécialement. Mais regardez. Ah, mais c'est... Il est où le truc? Il est là. Donc, faut que je le fasse voir. Ah, mince! Mais non, il est où mon truc là? Ah, voilà. Vous voyez là où j'ai mon ongle? Eh ben, regardez. Vous voyez? Donc pour les petits détails, eh bien c'est parfait, ces pinceaux là de Nail Art. Ah non, franchement, je regrette pas mon achat, hein. Parce que celui-là qui fait de la peinture, eh ben il fait ça, c'est génial quoi. Alors c'est une vidéo un peu brouillon, là, je vous l'avoue, mais c'est parce que je testais avec vous, hein. Donc moi, je dis oui. J'adhère totalement à ces trucs-là. Alors il y a, bah, pareil, hein, il y en a plusieurs sortes, mais j'adhère totalement. Totalement, j'adhère à ça. Ah ouais, franchement, ouais. Et puis alors, tous les petits pinceaux, là, franchement, génial. Voilà, tous ces petits pinceaux-là. C'est vraiment génial. Donc, bah, les filles, vous savez pas. Moi, je vais m'en servir, c'est sûr. Ça servira pas pour mes ongles parce que c'est des faux ongles. J'ai des ongles importants, mais je mets des faux. Voilà. Donc, moi, je dis oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que ce sera complètement idiot ce que je vous ai présenté. Mais moi, je trouve que ça peut être utile pour nos colos. Voilà, les filles. Bah, écoutez, ça a été une petite vidéo, mais bon, c'était un beau signe petit, hein. Voilà, les filles. Eh bien, écoutez, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.